Hier steht Rechtsanwalt Ulrich Kerner, er ist Fachanwalt für Strafrecht. Und hier kommt jetzt ein How-To für uns alle. Check your police record. Check your police record. Ihr habt alle, ob ihr es wisst oder nicht, einen Auskunfts- und Rechtsanspruch. Und Ulrich wird euch gleich erklären, wie man den nutzt und wie das eigentlich geht. Ja, Ulrich va vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez demander. Er vertritt ansonsten auch gerne kritische Bloggerinnen, politische Künstlergruppen représente aussi und beaucoup de Blogueurs, des Activistes du Net, des Artistes. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch an diesen Hacker-Paragraphen. Du paragraphe sur les hackers. Anyone? Ja, genau. Ulrich war einer der Beschwerdeführer vor dem Bundesverfassungsgericht. Ich würde sagen, allein dafür hat er euren Applaus verdient. Des principaux acteurs sur ce dossier. So. So, hallo zusammen, bin ich gut zu verstehen. Bonsoir à tous. Schön, dass sich so viele Leute hier für das Thema interessieren. Ça fait plaisir de voir autant de gens intéressés par ce sujet. Datenbanken. Auskunft und Löschungsanspruch. Wir leben im Informationszeitalter. Das ist hier allen bestens bewusst. Daten fallen mehr und mehr an, werden mehr und mehr gesammelt. Tout le monde le sait, les données sont de plus en plus ramassées, sauvegardées, enregistrées. Was bei der Polizei passiert, will ich jetzt im Folgenden zeigen. Folgendes Thema habe ich mir hier ausgedacht oder folgende Übersicht erstmal. Kurze Einführung. Ganz kurz will ich anreißen, voilà was ist hier das Problem? Un sommaire, on va faire une introduction, on va parler des droits, droits de base, on va parler des bases de données, on va parler de la possibilité. Über Datenbanken, die kann nicht vollständig sein. Es ist so, dass regelmäßig la partie sur les bases de données ne sera pas forcément complète. Ce sera une neue Datenbank gibt, von denen sie noch gar nichts wussten, beispielsweise. Es geht über den, dann sozusagen, dass der Kern hier Auskunft. Ensuite, le thème principal, c'est la possibilité d'extraire les informations qui sont enregistrées sur nous. Wo und wie comment et où est-ce que je peux demander, je peux remplir le formulaire de demande d'information. J'ai je vais vous montrer un exemple afin que vous voyez à quoi ressemble le formulaire. Ensuite, la possibilité de supprimer, effacer certaines informations et comment. Comment réaliser la suppression des informations? Et ensuite, comment pouvoir régler les problèmes devant le tribunal? Quels sont les droits disponibles aux citoyens pour supprimer telle ou telle information? Et quel tribunal peut vous aider? Datenbanken, polizeiliche, gehen uns alle an. Donc les bases de données de la police sont importantes pour tous, même si vous pensez que vous n'avez rien à vous reprocher et que vous n'avez jamais rien fait de mal. C'est vraiment une mauvaise manière de voir les choses. On fait tous des erreurs, tout le monde fait des erreurs et les personnels de police sont aussi des personnes qui peuvent aussi faire des erreurs. Je suis étonné que personne ne me contredise. In polizeiliche Datenbanken Einfluss findet, da gespeichert wird, heißt das noch lange nicht, dass es jemals eine sozusagen tatsächliche Situation gab, die diese Speicherung überhaupt gerechtfertigt hat. Si quelqu'un se retrouve avec des informations enregistrées, on n'est jamais forcément sûr que ces informations, l'enregistrement de ces informations soit justifié. Hausfriedensbruch und als BTM-Konsument. Und mein Mandant sagte mir. Et donc, je peux me rappeler qu'on m'a dit quelque chose, c'était il y a 10 ans. J'ai fait mon permis de conduire en 1995. Et donc, j'ai écrit le LKA à Brandenburg. Et donc, j'ai.
Et donc, j'ai demandé d'avoir des données qui soient supprimées me concernant. Est-ce que je voulais savoir, en fait, ce qui avait pu être ce qui pouvait me concerner dans ce dossier. Et, merci. Also erstens, es können dort Sachen reinkommen, die haben, sind entweder wahnsinnig alt. Il peut y avoir des choses qui sont qui datent de très longtemps, ou bien elles sont complètement fausses. Tout le monde peut penser qu'on soit contrôlé dans la campagne, ou bien que ce soit dans des manifestations plus importantes, des sommets internationaux. Donc, quand la police selon certains critères, ils peuvent décider d'enregistrer les données en mettant des mots-clés comme personne d'extrême gauche ou volonté de violence. Mais c'est également quelque chose d'important qui peut influencer un jugement potentiel plus tard. Parce que quand vous avez déjà des informations qui sont enregistrées dans une base de données de la police, vous allez être la cible de plus de concentration et voilà, la police peut éventuellement regarder de plus près votre dossier. Voilà, donc c'était une introduction. Donc c'est un droit de base pour la possibilité de définir soi-même les informations à son sujet. L'article 2, alinéa 1, dans le Grund. Le GEG. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces chapitres, c'est le droit d'influencer les données soi-même qui vous concernent et la possibilité de mettre de côté ces données. Das ist sozusagen, wir haben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Vous avez Eingriff ist jede Verkürzung, jede droit, von Daten ist ein Eingriff. D'être informé et das Recht wird nicht schranken, de contrôler ces données, vous-même. Werden, aber nur auf Rechtsgrundlage. Mais uniquement. Und diese Rechtsgrundlage muss auch sozusagen das gesamte Verfahren regeln, muss bereichsspezifisch und präzise bestimmen, wie Daten erhoben werden, wie sie weiter verarbeitet werden, wie lange sie gespeichert werden dürfen. Doit être révisé de manière très précise, comme le temps de sauvegarde et à quel moment les informations doivent être enregistrées, effacées. Vor allem in der Strafprozessordnung finden wir im Bundeskriminalamtsgesetz, finden wir im Bundesdatenschutzgesetz. Donc on trouve ces informations dans plusieurs textes de loi. Que ce soit les lois des lenders, de la police ou du pays. Das ist nachher wichtig für den Rechtsschutz. Wir müssen da sozusagen unterscheiden zwischen repressiven. Donc il faut, c'est important de différencier différentes choses. Strafverfolgung, um der Aufgabe der Strafverfolgung nachzukommen, oder zur Gefahrenabwehr. Beides Tätigkeiten, für die Polizei auch zuständig ist. Donc, différentes activités qui sont notamment pour lesquelles la police est responsable. Je vais vous montrer un texte qui appartient à la police, au code de la police. Den brauchen wir jetzt hier nicht im Einzelnen. On ne va pas avoir besoin de le lire de manière précise. Mais ce qu'on peut lire dans le second paragraphe, les informations qui sont liées à des personnes über einer Straftat verdächtigen Person erlangt hat, in Dateien speichern, verändern und nutzen. Und soweit dies
zur Abwehr von Gefahren im Rahmen der von der Bundespolizei obliegenden Aufgaben oder für die Zwecke zukünftiger Strafverfahren erforderlich ist. Alors, c'est possible de garder toutes les informations pour plus tard si c'est nécessaire. Et toutes les informations. Si c'est nécessaire, c'est pas vraiment une chose qui est claire. Et si c'est une chose qui a une loi, c'est pas sûr, ça parfois. Kleiner Überblick, wir haben Datenbanken auf polizeilicher Ebene, Abwehrstrafverfolgung auf der Ebene der Landespolizei, der Bundespolizei, die hat alleine jetzt 4 mir bekannte Bundesgrenzschutz, Aktennachweis, geschützter Grenzfahndungsbestand, TAFAS, Taschendiebstahlfahndungsbestand, ist die polizeiliche Informationskommunikations- und Unterstützungsdatei. Wir haben beim BKA Inpol 9 eine Mischdatei, auf die auch die Länder zugreifen. Europol auf EU-Ebene haben wir Datensammlungen. Staatsanwaltschaften haben es gibt auch eine Possibilité, de voir l'état dans son grand data, alles in Datenbanken. Wer ein bisschen aufmerksam die Presse verfolgt hat, nachdem Edward Snowden, die uns allen zumindest mehr oder weniger bekannten Unterlagen, also dieses wahnsinnige Überwachungsprogramm geleakt hat, ist die Bundesdatenschutzbeauftragte nach Bad Aibling gefahren und hat gesagt, das wollen wir uns nochmal anschauen, hat einen vernichtenden Bericht verfasst danach, in dem sie gesagt hat, wir wurden hier ganz systematisch an unserer Kontrollfunktion gehindert, hat dann weiter festgestellt, der BND hat, ich glaube, es waren 7 Datenbanken, die BND, ohne jegliche Rechtsgrundlage betrieben werden. Diese sind sofort zu löschen. Kurzer Sprung zurück. Ich habe eben gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat ganz deutlich gesagt, keine Erfassung ohne rechtliche Grundlage. Strafverfolgungsbehörden sehen das eben gerne anders. Oder sind da sehr, sehr ich scroll hier jetzt mal durch. Einzeldatenbanken auf EU-Ebene, das ist hier alles andere als... Je continue, on va scroller, ici par exemple des bases de données de Impol. Impol c'est une banque de données qui concerne la police criminelle. Mit verschiedenen Zugriffsrechten, verschiedene Möglichkeiten, wer dort einspeisen kann. Différentes choses peuvent être Einzeldatenbanken. Ich gehe hier nochmal zurück, zum Beispiel die Différentes choses peuvent être collectionnées dans cette bande de données. Par exemple, quelque chose de problématique, c'est qu'est-ce qu'on a pu rechercher. Zum Beispiel zu sammeln. Wir haben hier on a ici quelque chose de typique, les données typiques de quelqu'un qui aurait été motivé par des choses criminelles. Un autre exemple, c'est CVIS. Donc, ça concerne des sous-données. Donc, la police régionale. Dort eine Eintragung zu haben, kann äußerst unangenehm sein, beispielsweise, wenn jemand in Deutschland seinen Führerschein verloren hat. Par exemple, quand quelqu'un en Allemagne a perdu son permis de conduire. Ist dann ins Ausland gezogen, hat et qu'il est parti à l'étranger, et donc il a refait son permis alors qu'il n'avait plus de domicile en Allemagne. Eh bien, il seine Sperrzeit nicht umgangen und in Spanien gab es zu dem Zeitpunkt oder gibt es meine ich immer noch nicht. Par exemple, on parle de l'Espagne, on parle de quelqu'un qui est parti en Espagne. Wenn er hier angehalten wurde, donc s'il était arrêté par la police, donc lange Haare. Revient et arrêté en Allemagne et qu'il a les cheveux longs, qu'il a un véhicule coloré, et ben il a des chances
des chances d'être suspect, parce qu'il pourrait avoir un permis étranger qui pourrait poser problème. Il pourrait être, dans tous les cas, dans un premier temps, interdit de prendre son véhicule pour un certain temps, quelques jours. Autre chose, on parle de possible surveillance par rapport à des actions antiterroristes. Donc, à Berlin, il y a toute une série de banques de données, par exemple Polix. Donc, c'est vraiment particulier, c'est une banque de données qui est berlinoise. Quelque chose que j'ai dit avant. Neue Datenbanken zum Vorschein kommen, zum Beispiel die Veranstalterdatenbank. Wurde also irgendwann aufgedeckt durch maßgeblich auch durch eine IFG-Anfrage, durchs Informationsfreiheitsgesetz, dass die Berliner Polizei Anmelder von Demonstrationen. Donc la police Bernard pourrait collectionner des infos qui soient relatives à les personnes, des manifestants. Donc je trouve ça relativement problématique, notamment par rapport au droit de rassemblement. C'est quelque chose qui est systématique. Ce sont des données qui sont collectées de manière systématique. Ça, c'est pas forcément clair de quelle manière, mais des choses seront donc Teil des Impulssystems vom BKA sind. Donc ce serait partie du Impulssystem de BKA. Niedersächsische OVG irgendwann mal festgestellt, dafür gibt es überhaupt keine Rechtsgrundlage, also keine Rechtsverordnung, die donc, das regelt. Und parle quelque chose qui n'aurait pas de Berliner Datenschutz Code juridique hat beispielsweise structurant. Mit Erstaunen 2010 festgestellt, dass auch die Wasserschutzpolizei eine eigene Datei hält. Donc par exemple la police maritime aurait une propre banque de données qui est en vogue depuis 2010. J'ai par exemple maintenant, parce qu'on est donc nous avons tous un droit à récupérer, à faire une demande de récupération de nos données. Et c'est réglé dans le BDSG, par exemple, dans l'article 19, on trouve non seulement la demande pour on devrait récupérer les informations sur l'endroit dans lequel les données sont enregistrées et pour quelles raisons. Si on regarde dans le BDSG, article 19, article 1, section 1, et dans la section 2, on a les limites. La demande est gratuite pour le BDSG. Et à contrario de d'autres demandes qui peuvent être payantes pour limiter les demandes. Also die Berliner Regelung, eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, dass die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person hinter dem öffentlichen Interesse an der Geheimhaltung oder einem überwiegenden Geheimhaltungsinteresse Dritter zurückstehen muss. Donc, s'il y a des intérêts d'une personne tierce ou une personne tierce est impliquée, on peut l'administration peut refuser la demande d'information si un procès est en cours avec une personne tierce impliquée avec la personne qui fait la demande, ce qui est très problématique. Où doit-on faire la demande? Donc à la police du Land, donc au bureau du LKA local, pour tout ce qui concerne la Bundespolizei, donc la police d'État, Interpol ou les SIS, il faut aller dans un bureau de la police nationale. Et pour Strafverfolgung und Gefahrenabwehr tätig sind.
Wie wird dieser Antrag gestellt? Es wird Comment gesagt, vous pouvez remplir ce, cette demande? Donc c'est une demande personnelle, donc il faut, ça ne sert à rien de, de demander à un avocat d'écrire la lettre parce qu'il aura besoin d'un, il faut que vous lui donniez, il faut que vous lui donniez le droit par écrit avec une copie de votre pièce d'identité afin de faire la demande. Donc le plus simple est de faire la demande soi-même. Es werden Ausweiskopien verlangt, damit soll sichergestellt werden, dass die Person, die anschreibt, tatsächlich die Person ist, sozusagen die Identität. Donc une copie de la pièce d'identité est nécessaire pour pouvoir vérifier l'identité de la personne qui demande. Eine bestätigte Ausweiskopie. Et le BKA, par exemple, demande une copie certifiée conforme que vous devez faire certifier donc à votre bureau de la police nationale. Problem zu sein. In ländlichen Regionen sieht es anders aus. Da haben die zum Teil noch nie davon gehört. Et dans certaines régions, c'est très compliqué d'avoir une copie certifiée conforme. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, il faut d'abord faire une demande de justificatif par écrit que la pièce est bien demandée avant de pouvoir récupérer les pièces demandées. Und jetzt mal sicher interessant hier. Donc très intéressant ici une demande que j'ai faite récemment sur plusieurs pages qui nous montre en détail ce qui est enregistré dans ces données, dans ces bases de données. Donc peut-être un pas en arrière, vous allez recevoir d'abord un justificatif qui va confirmer votre demande d'information. Donc ça dure pas très longtemps. Der Berliner Innensenat hat dazu sich folgendermaßen geäußert vor ein paar Jahren. Das ist Drucksache 13-2267 aus Berlin. Die Bearbeitung eines Datenauskunftsverlangens dauert 6 Stunden. Ein Datenlöschungsverfahren dauert 6 Stunden. De créer ce document et il fait 15 heures de supprimer ce document. Ça, c'est pas vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le document? Ça, Sammlung. Da sind jetzt verschiedene Anwendungsverfahren drin. Es steht hier, gab es nie eine Rückmeldung, wie das ausgegangen ist. Zum Teil steht das. Alors, on n'a pas du. Dans le document, il n'a pas mentionné si qu'est-ce qu'il se passait. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après le après avoir allé à la police rien s'est passé, je ne sais pas. Dann haben wir personenbezogener Hinweis BTM und wann erfasst wurde. On a des informations sur les lieux où tu as habité. On a des informations sur ton personnage, sur une description d'un personnage. On a des spécialités comme un tatouage et aussi des diese gesamten Daten, einschließlich der dazugehörigen tous les dates sont supprimées parce que c'est pas nécessaire de garder toutes les informations. Danke. Das wollte ich auch. Merci, c'est la chose que je voulais. Parfois, la police a... parfois, la police est forcée de revoir une chose, une case particulière, comme le mien. Als nächstes kommen Eintragungen aus der Vorgangsverwaltung.
Das sind also aus anderen Verfahren, da kann alles Mögliche stehen. À la fin, Zeuge zu einem Verfahren, Verletzter, on voit beaucoup, beaucoup d'autres informations qui sont collectionnées sur ce document, parce que je sais, j'étais en un. Peut-être la police m'a cherché ou j'étais. J'étais un témoin d'un accident. Ein Hinweis ist, dass die Daten für den zweiten NSU-Untersuchungsausschuss nochmal. À la fin, il y a aussi l'information que les informations sont peut-être nécessaires pour l'enquête pour un NSU et aussi que les dates sont chez Impol et sont supprimées aussi maintenant. Et à la fin, c'est, si vous avez des questions, alors demandez Impol ou le BKA, le Bundeskriminalamt. Alors j'ai encore 5 minutes, si vous avez des questions. Il faut scroller si vous avez des questions. Alors, le règlement pour supprimer les informations, parfois les informations sont supprimées si vous demandez, seulement si vous demandez. La règle, c'est si vous avez des informations qui sont fausses, c'est à corriger. Si si vous êtes arrivé à la fin d'une frise, d'un certain temps, c'est révisé. Mais pour faire ça exactement et correctement, on n'a pas assez de personnel. Oui. En doute, demander à supprimer toutes les informations, toutes les dates. Si vous avez des problèmes spéciaux, par exemple, les délits de contrôle, par exemple, de contrôle des sacs, par exemple, vous êtes contrôlé et vous avez 2 grammes de cannabis avec vous et ça, c'est une chose qui donne des dates à la police. Mais pourquoi garder ces informations pourquoi garder l'information pour l'avenir? Ce sont des choses sur lesquelles on peut se défendre devant le tribunal. Vous avez le droit d'aller devant le tribunal pour vérifier si ces informations doivent vraiment être conservées. Si on veut faire supprimer des données qui ne sont pas, supprimables, il faut vérifier si les raisons pour lesquelles elles sont enregistrées. Il faut beantragen, dass er Auskunft bekommt. Und die Rote Hilfe hat eine ganz tolle Seite eingerichtet. Donc vous avez un site internet très intéressant où vous allez trouver plein d'informations sur les demandes d'informations et de casiers. Le site datenschmutz.de. Vous avez toutes les bonnes adresses pour faire vos demandes. Da wird es einem leicht gemacht. Da steht auch immer drin, was für eine Ausweiskopie braucht man. Également, quel type de copie, de pièce d'identité vous avez besoin. Vous avez également un stand ici au CCC. Vous pouvez aller les voir et vous pouvez récupérer le formulaire directement et demander au responsable du site comment faire votre demande. Querchecken zur Wikipedia, diese ganzen Datenbanken. Vous pouvez aussi aller voir sur Wikipédia les informations sur toutes les bases de données dans lesquelles sont enregistrées vos données personnelles, afin de savoir dans quels instituts faire vos demandes. Je dois demander si je peux répondre à quelques questions afin de ne pas prendre du temps sur les prochaines sessions. 1 minute. So,
spart euch den Applaus. Ich beantworte lieber eine Frage, wenn es eine gibt. Aber vielen Dank und danke, für, dass ihr zugehört habt. Ich meine, ein sehr wichtiges Thema. Ihr habt das gesehen oder ich meine, ich habe ein bisschen das zum Ausdruck bringen können. Die Grundrechte sind nur wirksam geschützt, wenn der Bürger sich permanent darum kümmert, dass sie eingehalten werden. Donc voilà, vos droits ne seront respectés que si vous vous battez en permanence afin qu'ils soient respectés. Sensiblen Daten sowieso nicht die schlechteste Idee. Eine Frage? Une question? Na gut, schnell. Die Landes Hört man das? Ja. Die Landespolizeibehörden machen auch gerne einen Unterschied. La police des Länder font aussi volontiers la différence entre les données qu'ils enregistrent et dans leur système local et dans les bases de données centrales. Keine wirkliche Frage, oder? Wir sind auch jetzt leider durch mit der Zeit. Vielleicht könnt ihr gleich ein Zwiegespräch. On a terminé, désolé. Es ist zum Teil problematisch. Le temps est écoulé. Zicken häufig rum, um es mal salopp zu sagen. Merci pour cette question. Oui, c'est vrai qu'ils essayent de nous titiller avec des informations comme ça, en essayant de. Voilà, donc il faut vraiment leur préciser à quel endroit ils doivent.